Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de RoboCraft, chers amis. Donc, nous ouvrons la crête Protonium en espérant qu'il y ait moins de 50% de verre. Oh la gueule, il y a 50% de verre, c'est triste. C'est triste. Mais enfin bon, j'imagine que vous commencez à en avoir ras-le-bol de ce robot. Faudrait peut-être voir pour autre chose. Et si on faisait un petit peu de construction? Si on faisait un tout petit peu de construction. Ok. Ici. Oui. Ah non, pas ce robot. Pas ce robot si, je voulais un... Oui, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je me suis planté. Hop. T. J'ai dit ah. Non, pas test. Oui, non, justement, excuse-moi. C'est moi qui suis dans la colle. Edit. Voilà. Essayons de nous faire un nouveau robot. Hop. Hop. Et donc à l'avant, on va essayer de faire des choses comme ça, chers amis. Hein. Je me lance dans des choses. Hop. Crac. Je tente un robot perso, hein. Vous l'aurez compris, ce qui veut dire qu'il sera forcément mauvais. Hop. Crac. Donc là, j'ai une plaque entière, normalement. C'est bon. Crac. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Crac. Voilà. Hop. Pas besoin d'aller si loin. Ok. Ok, on a qu'à dire ok. Reprenons ces cubes là. Là ça veut pas, là ça veut bien. Là normalement ça veut, parfait. Ce qui veut dire que je peux remplir tout ça de cubes. Hop. Donc, je peux virer ça pour le moment. De mémoire il faut que j'en rajoute un aussi. Non? Non, je suis dans la colle peut-être. Commençons par ça. Hop. Crac. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire un robot solide. Solide comme un roc. Comme dirait Zarya. Hop. Crac. Hop. Hop, voilà, ça c'est bon. Et donc un cube supplémentaire ici. Crac. Et ensuite on s'amuse à mettre tous nos petits cubes comme ça. Oh, ose me dire que j'avais pas raison sur ce verre. Hop, voilà. Bon. Ah ben non, ah non, ça fait qu'un pauvre cube, c'est pas drôle. Hop. Alors c'est débile le temps de chargement entre deux, je trouve ça, mais bon, c'est.
C'est leur façon de faire à eux. Ce n'est pas à moi de la juger, malheureusement. Ok. Voilà, donc j'ai réussi à placer ça de manière plutôt centrée. Plutôt une bonne chose. Plutôt une bonne chose. Tiens donc. J'imagine qu'il est plus ou moins inutile d'avoir ce genre de choses à l'avant. Et remarque, ça passerait. Hein. Remarque, ça passerait. Par principe. Hop. Vous savez que je suis un petit peu pointilleux sur tout ce qui est cosmétique. Hop. On voit les cubes qui défilent, c'est génial. Hop. Crac. Voilà. C'est plus ou moins ce que je voulais faire. Et donc, par principe aussi, du coup, en bas, on se termine par un... Ah, il veut pas. Ah, je suis vexé. Hop. Oula. Crac. Hop. Du coup, est-ce qu'on supprime ou pas la première couche? Je dirais non. Enfin, la couche supérieure, je dirais non. Imaginons par principe, oui, ça le soulève, on est d'accord. On est d'accord, ça le soulève normalement. Faisons le test, faisons le test, faisons le test. Ouais, mais c'est efficace. Ça tourne pas des masses, cela dit. Ok, c'est efficace, tout est relatif. Hein. Ou alors... Et là, ça risque de ne pas vous plaire. Donc non, ça risque de ne pas vous plaire. Donc non, je vais pas faire ça, chers amis. Je suis pas là pour faire des choses qui ne vont pas vous plaire. C'est tout à fait l'inverse. Crac. J'aurais bien aimé pouvoir le mettre, ce truc-là. Mais pour l'instant, j'en ai qu'un. Dommage, ça aurait été quasi parfait. Hein. Quasi parfait. Ok. Imaginons, je mets cela. Ah, mince. Oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé ce principe-là. Imaginons, je mets cela. D'accord. Ok. Hop. J'essaie des choses, hein. J'essaie juste des choses. Ne vous inquiétez pas. Keep calm, don't panic. Ce qui ne veut pas dire ne niquez pas. Ça, vous faites comme vous voulez. Tant que vous êtes deux adultes, enfin deux personnes consentantes. Malheureusement, ce n'est pas que... Enfin, malheureusement, non. Heureusement, il n'y a pas que des adultes qui copulent. Et des jeunes adultes aussi. Faut être honnête, hein. C'est l'histoire de la vie, hein. Ce cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. Voilà. Non, c'est aussi c'est bon. J'aimerais aller sur ce vaisseau récupérer quelque chose. Merci. Hop. Garage.
Edit, voilà. Crac. La ronde infinie de ce cycle éternel. C'est l'histoire, l'histoire de la vie. Voilà, c'est dit. Ça dépasse légèrement. Ah, c'est dommage. Quoique, attendez, c'est pas forcément si dommage que ça, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Hop. C'est l'histoire. L'histoire de la vie. Pidipi. Pidipi. Oui, je suis très très particulier quand je chante. Hop. Alors ça c'est qu'une ébauche hein, chers amis, je précise quand même à nouveau hein, ce n'est qu'une ébauche. Je sais pas exactement comment ça va rendre. Ah, faut que je fasse l'autre côté aussi derrière. Bon, ça me permet de faire un côté déjà et de voir comment ça rend, on va dire. Oula, non, pas celle-là. On n'est pas encore assez loin, semble-t-il. On n'est pas encore assez loin. Du coup, faudrait que je refasse encore une rangée de chaque côté. Ce qui en soi ne me dérange pas. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Non, voilà, ça va être plus facile si je fais ça comme ça. Crac. Ça permet de recouvrir en fait un côté de... Enfin, de recouvrir autant que se peut, hein, le côté des roues. Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise... Une mauvaise chose, j'allais dire. Apparemment, elle a pas envie de rester avec nous. Hop, voilà. Merci de bien vouloir rester jusqu'au bout. Vous avez payé pour tout le film, vous restez jusqu'au bout du film. C'est ce qu'ils ont dit au Bataclan. Non, c'était pas drôle. C'était pas drôle, je reconnais. Excusez-moi, c'était pas drôle. C'est vrai qu'on avait une blague, nous, entre nous, avec ma sœur vis-à-vis du Bataclan. C'est-à-dire c'était en rapport avec le spectacle de Michael Gregorio. Et c'est vrai qu'on la sort beaucoup moins, du coup, maintenant, cette blague. C'est vraiment pas drôle ce qui s'est passé là. Bah, oui, c'est là-bas, c'est ça, ouais. On dit là-bas. Et toutes mes condoléances vont aux victimes, malheureusement, et aux familles des victimes. Faut vraiment être malade pour s'attaquer à des gens comme ça qui n'ont rien fait, qui sont venus juste apprécier quelque chose d'artistique. C'est-à-dire, l'art, ça, c'est censé regrouper les peuples. Hein. C'est triste que les gens ont fait ça, donc même si c'était de la musique et pas de l'art, entre guillemets, classique. Mais la musique, encore une fois, encore plus... que les arts classiques, entre guillemets, quel que soit le style de musique, c'est censé être là pour regrouper les gens. C'est dommage qu'il y ait des gens qui s'en servent à mauvais escient. Mais enfin bon. Ok, on l'a. Hop. Ah, pas suffisamment. La question maintenant étant de savoir si je... si je tente de contourner les choses. Ça ne passe pas. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Ici, maintenant. Ici et maintenant, ça devrait être bon. Crac, ok. Hop. On reverra niveau sécurité, entre guillemets, si je puis dire, un peu plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de tout ça. Crac. Essayons de voir si on peut pas faire quelque chose d'artistique. Dire artistique maintenant que je dis ça, faut que j'arrête mes conneries non plus. Ça sera pas artistique, ça
sera catastrophique. Pas pareil. Pas pareil, Marcus. Hop. Ça doit être ce truc-là. Non, c'était celui-là. Hop. Crac. Voilà. Hop. Oui, mais là, ça va être compliqué de faire un truc bien, là. Si, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Crac. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ici, justement, ce sera un truc plus classique. Maintenant qu'on a fait ce côté-là, est-ce que normalement ça passe avec la Mega Tower? Voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, j'aimerais la centrer vis-à-vis du trou. Tout simplement. Il me semble que là, on est bon. Crac. Ok. De toute façon, avant de faire quoi que ce soit d'autre, on ira faire le test, hein, chers amis, hein, maintenant. Une fois que ça se sera mis, il faudra tout simplement aller faire le test. Est-ce qu'on a bel et bien notre cran supplémentaire? Oui, normalement, oui. Hop. Crac. On va essayer de faire ça bien quand même. Crac, ok. Voilà, maintenant on remet comme de l'autre côté, pardon. Ceci. Là on récupère les. Hop. Voilà. Crac. Ici encore une fois. Ceci. Ici on met un comme ça. On peut revenir mettre. D'ailleurs pas ici. Et si justement ici je me suis juste foiré. C'est ces cubes là. Je me trompe? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Papa, padabap, c'est bon, c'est bon. Papa, padap. Nous disions donc ici, comment qu'on avait fait? Crac. Voilà, c'est comme ça qu'on avait fait. Ok, et ici donc. Un comme ça. Là. Comme ça. Et donc ici j'avais dit un comme ça. Un autre comme ça. Hop, voilà. Et ici un carré. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et donc de ce côté-là, voilà aussi. On l'a mis sur le combienième cube? Le premier. Ok. Oh merde, je me suis planté de bouton. Je suis désolé. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Alors, est-ce que ça roule, cela dit? Oui, ça a l'air de rouler. Il tremble peut-être un peu, hein. Il roule bizarrement aussi. Je crois que c'est sans doute à cause de la hitbox de la... de la tourelle. On verra ce qu'il en adviendra le moment venu. R pour pivoter, voilà. Et ici, à l'arrière, j'aimerais rajouter quelque chose. Alors déjà, on va rajouter ici des points, entre guillemets, je vais pas dire d'emport, mais presque. Ici aussi. Hop. Permet de venir entre guillemets ici rajouter ça, voilà. Ce qui vu de dessous est terrible, ce qui vu de dessous est terrible. Hop, faut que je regroupe quand même tout ça. Crac. Plutôt faire ça comme ça. Est-ce que de l'intérieur je peux en rajouter des comme ça? Non, du tout.
Plutôt du tout. D'accord, pas de soucis. Hop. J'ai dit qu'il fallait qu'il soit solide. Il le sera donc. Puisqu'on va réitérer ce qu'on a fait à l'avant, à l'arrière. Si j'ai suffisamment de flops. Pour pouvoir y placer. Ce que vous avez déjà sans doute tous pensé. On a 1705. D'accord, ils sont 1750, d'accord. Autrement dit, il faut pas qu'on dépasse les 1450 de mémoire. S'il y a assez de coton, parce qu'on va les avoir pratiquement déjà dépassés. Je vais récupérer déjà le truc que je vais récupérer, que je suis censé récupérer sur l'autre robot. Voilà. Play, edit. Faut vraiment qu'il rajoute le bouton edit à nouveau sur le haut, parce que là, ça sert vraiment à rien. Hop. Crac. Oh. Et ça va me poser un problème d'ordre éthique. Qui est comment je le place. Tout ce que je souhaite placer au-dessus sera forcément décalé. Sauf si j'en avais placé deux, s'entend bien sûr. Mais oui, sur le principe, tout ce que je vais souhaiter placer au-dessus sera forcément décalé. Nathanoth CPU, d'accord. Toujours pas, apparemment. Et on est à combien là? Si je le place? Là, je peux le placer, d'accord. Ok. Écoute, je vais le faire. Hop. Crac. Si je le peux. Hop. Voilà. Bon bah c'est atrocement laid hein. C'est atrocement laid. On va quand même aller l'essayer. Hop. Juste pour le fun, hein, parce que franchement, je pense pas qu'il va rester longtemps. Si, il y en a qu'un côté qui est fait. Comment dire? C'est pas que ça va me poser un problème, mais. Si. Hop. Crac. Et ici, justement. Hop là. Ah puis ici ça fait c'est complètement différent. Ah c'est laid. C'est laid, chers amis. Tu as intérêt à être efficace, robot. Tu as intérêt à être efficace. Hop. On va le tester en team deathmatch classique. Et on va bien voir. On va bien voir. Honnêtement, j'y crois pas. Alors là, il y en a un qui rage pour un truc débile. Pose de ces questions des fois moi. Oh là là, mais enfin bon. Allons voir si ce robot est efficace, oui ou non. Honnêtement, non. Je n'y crois pas le moins du monde. Mais bon.
On va peut-être rigoler avec. Hop, on va peut-être rigoler avec. Hop. Ok. Elles font des dégâts. Est-ce qu'elles font des dégâts? Je vois même pas les tirs partir. Ah. Il est solide son machin quand même à lui hein. Hop. Mais est-ce que je tire dessus ou pas au fait? Je vois aucun canon partir. Ah ça y est, là ça part. Alors attends, en fait t'es en train de me dire que là avant, le jeu m'indiquait que je touchais parce que j'étais censé toucher quand je tirais, mais qu'en fait je ne faisais pas de dégâts. Parce que si c'est ça, moi je m'arrête tout de suite là, hein. je suis render. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Eh bah oui, bah tu serais resté derrière, écoute, j'aurais peut-être pu t'aider. Hop. Crac. Excuse-toi. Excuse-toi. C'est lui qui me heal derrière, non? Hop. Hop. Excuse-moi, c'est juste que j'ai un petit peu de manque de puissance dans le nez. Oula. Oh, t'es sérieux là? T'es sérieux là? Ok. J'espère que mes amis l'ont eu. Ok. Y'a de drôles d'ombres qui volent au-dessus de nous. Hop. Crac. C'est pas bon, on est en train de quitter notre point pour aller chercher un autre bonhomme. Honnêtement, c'est vraiment pas bon. Ils l'ont eu, apparemment ils l'ont eu. Oula, il est tout seul en face. Il est tout seul en face. Oui, bah écoute, t'es drôle, toi. Non, laissez-moi un. Laissez-moi faire un kill. Laissez-moi faire un kill. Ah, oh, je suis le pire de l'équipe. Quelle horreur.
Hop. Parfait. Autant aller le faire au départ, hein, qu'il fasse sur Ender finalement. Hop. Ah, il tente des choses. Hop. Il tente des choses, il tente des choses. Je suis le pire d'entre tous. Je suis le pire d'entre tous. Hop, oui, j'ai fait un kill! Truc de fou! Ce truc de fou! Ok. Bon. Ah, je suis remonté au-dessus de Xyz et Crow. Oui, qui s'amuse à faire du heal, donc forcément, oui, tu m'étonnes que je suis remonté au-dessus. Au petit père, il se fait violer dès qu'il spawn. Hop, je suis sûr que sur le score il est meilleur que moi, mais je suis le pire. Ah bah d'accord, ça veut dire non, t'auras pas le kill. Hop. Ah. Ah non, mais c'est pas possible. Team play. Laissez-moi des kills. Bon, ok, ce robot est nul. Ce robot est nul, va falloir que je fasse mieux. Alors je passe bien mieux. Oh, il est là. Hop. Laissez-moi fraguer. Laissez-moi essayer des choses, s'il vous plaît. Sinon. Oh la vache, il s'est fait défoncer celui-là. Par le heal, en plus. Apparemment. Le heal, le bourre. Lui, il l'a tellement bourré. Ok, donc ce robot est nul. Ce robot est vraiment très très nul. Bon bon bon, c'est un échec. Oh là là, je suis vraiment nul dans la construction de robots. Gold, qu'est-ce qu'on tombe? Attention. Rien, rien. Rien d'intéressant, génial. Génial, génial. À part un drapeau canadien. Ok. Eh ben écoutez les amis, sur cet échec on va se laisser. Je vous rappelle que j'espère toujours avoir des méga wheels pour pouvoir un jour comment réussir à me faire un méga robot sur roue. Ça me ferait kiffer. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite toujours comme d'habitude à aller voir mes différents robots, donc sous le nom Marcus espace bonus, hein. Normalement ils y sont toujours, hein. Hop, voilà. Réclamez si vous voulez en voir certains autres sur le shop. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo, et un petit abo et un like, ça fait toujours plaisir. Salut.